un souvenir du concours étonnant créateur. Je pense que le premier souvenir qui me vient en tête, c'est notre représentation devant les jurys. Ça a été un moment pour nous un peu d'aboutissement parce que ça faisait un an qu'on travaillait sur le projet. Et du coup, arriver comme ça devant des professionnels pour leur montrer un peu l'idée de la marque, le projet, ce qu'on veut en faire, ça a été un moment important pour nous et un peu une concrétisation du projet. Qu'est-ce que le concours étant créateur t'a apporté ou nous a apporté, parce qu'on est deux sur le projet? Ça nous a apporté déjà un peu une visibilité en premier, parce qu'on parlait professionnel. Après, il y a eu une vidéo qui a été vue. C'est la première fois où on parlait vraiment de la marque. Et également des conseils, parce qu'avoir des conseils de professionnels, ça change comparé à des conseils d'amis ou de proches. Là, c'est vraiment des conseils de pros qui nous ont apporté vraiment, parce qu'on a pu modifier après quelques aspects de la marque. Et c'est vraiment ce qu'on a vraiment retenu en premier du concours. Et comment ton projet d'entreprise a-t-il évolué depuis le concours? Depuis le concours, il a plutôt bien évolué parce qu'au moment du concours, la marque n'existait pas officiellement. Et depuis, la marque est lancée et est vendue à Saint-Malo et à travers 10 points de vente à travers la France. Le projet du coup s'est concrétisé. Nous sommes plutôt contents et fiers de ce qu'il en est pour l'instant et on a plein de choses encore à venir et c'est que du positif pour nous. Un conseil à donner aux futurs candidats. Donc, comme conseil pour les futurs candidats, je leur dirais de venir préparés, détendus, de connaître son sujet comme il faut. Mais normalement, vu que c'est un projet qui nous tient à cœur, on le connaît parfaitement. De pouvoir préparer ses arguments en cas de petites attaques du jury. Mais je pense que ça devrait aller pour eux. Je leur souhaite vraiment bon courage et bonne réussite dans leur projet. Et vivre sur la côte d'Emeraude, c'est comment? On a un peu la réponse derrière moi, c'est plutôt agréable et sympathique. Nous, on est mal loin d'origine, on fabrique tous nos produits à Saint-Malo. On a vraiment une identité forte ici sur la côte d'Emeraude, donc pour nous, il n'y a rien de mieux que de vivre ici.